the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Légende vivante! Mon cher Luc, quel honneur pour la ville! Ouais. Moi, les enterrements, ça m'émeut toujours. Le voilà! Le voilà! Je l'imaginais plus grand. Que de souffrance dans ses yeux. C'est sûrement un parent du défunt. Cher général Custer, c'est pour Nothing Gulch un insigne et un honneur d'accueillir l'immense héros, que dis-je, la mythe que vous êtes. Je crois que mythe est masculin, monsieur le maire. Non, surtout pas de bouquet, le général est allergique. Aux fleurs. Toutes les Nothingalchoises et tous les Nothingalchois ressentent dans leur cœur vibrant de patriote un... Merci, monsieur le maire. Pas de quoi. Messieurs, sans oublier ces dames, je vous ai compris. Comptez sur moi pour débarrasser la région de tous ces peaux rouges, ces obstacles à la civilisation. Je renverrai les Indiens d'où ils viennent. En Asie. Excusez-moi, général, mais nous sommes en paix avec les Indiens. Nos Sioux sont pacifiques et intégrés. Impossible. Un peau rouge ne peut pas être pacifique. Encore moins intégré. C'est une ruse. Une ruse de Sioux. Ouais. Encore une légende qui raconte n'importe quoi. Je vais lui présenter mes condoléances. Ah ! Mes sincères condoléances. Rentemplant, ici. Rentemplant. Quel nom magnifique et quel regard pétillant d'intelligence. Voilà qui ferait une mascotte idéale pour le 13e de cavalerie. Pourquoi m'insulte-t-il? La douleur l'égare? 13e de cavalerie, suivez votre général. Que tu sors? Waouh! Waouh! Je comprends maintenant pourquoi la cavalerie fait partie de l'armée de terre. Jolly Jumper, une petite visite à notre ami Aigle Intègre s'impose. Des Indiens pacifiques. C'est bien ma veine. Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il a fait exprès de me nommer dans le seul coin de l'Ouest où les Indiens sont pacifiques. Une glorieuse victoire de plus sur ces mangeurs de pémican. Et je lui ai piqué son fauteuil. Il a peur. Le général Ulysse S. Grant a peur que le général George A. Custer lui pique sa place à la Maison Blanche. Grant est un piteux. Grant est un... Entrez! Général! Le régiment est prêt pour la revue de détail, général! Présentez! Mon frère au cœur pur et à la mèche rigolote se rassure.
Les hommes justes ont depuis des lunes troqué le tomahawk pour la binette. Les farouches guerriers sont devenus de paisibles cultivateurs. Et grâce à vrai faucon, notre sorcier, nous avons transformé ce désert en jardin. Quand il ne confond pas la danse du vent avec celle de la pluie. Ainsi, nous fournissons toute la région en légumes 100% authentiques, estampillés du label de l'homme juste. Ouais, je crains que Custer ne préfère le carnage au jardinage, au grand chef, mon frère. Oh, oh. Nous n'avons rien à craindre du général Custer. Nous sommes les fournisseurs exclusifs de Fort Smith. Comment ? Le rata est fabriqué avec des légumes peau rouge ? Bien sûr, général, tout le monde mange les légumes de l'homme juste. Ils sont 100% authentiques et... Suffit ! Dorénavant, le rata sera exclusivement cuisiné avec des légumes en conserve réglementaire. Excusez, général, mais ces conserves viennent du Minnesota. Et alors ? Vous avez quelque chose contre le Minnesota ? Non, mais ces conserves ont traversé le désert. Sous le soleil, dans un chariot non bâché, il y a risque de scorbut. Eh bien, ce sera un scorbut réglementaire, Major. Voilà tout. Ça n'est pas tout, général ! Elles explosent quand on les ouvre, général ! Oui, surtout les faillots. Elle est belle, ma tomate, elle est belle. Bah enfin, j'étais là avant vous. Les produits peau rouge sont désormais interdits à la vente. Capitaine, j'exige une explication. Ordre du général. Mais enfin, Aigle Intègre paye sa patente. Il n'y a aucune raison de lui interdire de vendre ses légumes au marché. Aucune raison, dites-vous. Aveugle que vous êtes. Ne voyez-vous pas le plan perfide des peaux rouges ? Mais ils ne font que vendre des légumes. Précisément, des légumes. Voilà où est la perfidie. Si personne ne vient stopper l'expansion des légumes peaux rouges, bientôt tout l'État en consommera. Toute l'Amérique, les peaux rouges deviendront riches et puissants, à la tête d'un empire agroalimentaire qui mettra la civilisation blanche à leurs mocassins, totalement dépendants des légumes des rouges. Ils auront gagné. Il faut étouffer le légume rouge dans l'œuf pour défendre l'avenir de la race blanche. T'as compris ce qu'il a dit, toi, Pete ? Ouais, n'a pas l'air d'aimer les légumes. Moi, c'est la même chose avec les fritons. Je déteste les fritons. Capitaine, détruisez ce stand. Vous avez entendu le général ? Exécution ! Mission accomplie, sir ! Yes, sir ! Je ne tolérerai plus un seul Indien dans cette ville. Aigle Intègre va parler au petit homme rouge de colère. Ce n'est pas le moment. Que mon frère me laisse organiser un pow-wow avec le petit homme rouge de colère, quand il sera sec. Allons bon, où ai-je déjà vu ce type ? Ah, j'oublie jamais un visage pourtant. Cochise ? Geronimo ? Sitting Bull, bien sûr ! Entendu. Je rencontrerai Aigle Intègre. Je vous remercie, Gédé. Hein ? Que s'est-il passé ? Le cuisinier a ouvert une boîte de flageolets, général ! Bon. Nous disons donc après-demain, 7h17, au lieu dit les trois cactus. Ce merveilleux animal est donc à vous ? Disons qu'il m'adopte de temps en temps, mais il n'en fait qu'à sa tête. Ce chien a donc une tête. Je me demandais quel était cet étrange appendice qui sortait de son collier. Il s'appelle Taratata, c'est bien ça ? Non, Rentemplant. Eh bien, Rentemplant, que dirais-tu de rester au fort pour devenir la mascotte du régiment ? Jamais ! Jamais je ne dirai où sont enterrés mes os. Il doit bien exister un moyen de le faire changer d'avis. Alors, il a changé d'avis, raplapla ? Compagnie ! Ouvrez les boîtes ! Les
Allez, bougeons plus. Peut-être un peu trop de sodium. Je tiens à ce que la presse témoigne que j'aurais tout fait pour éviter la guerre en discutant d'égal à égal avec les hommes justes. Donc, voici mes conditions. Les hommes justes cessent de cultiver leurs légumes. Et de quoi se nourriront-ils ? L'armée se chargera de les nourrir. Nous avons d'ailleurs un stock d'excellentes conserves. Vous cherchez à pousser les Indiens à bout pour qu'ils reprennent le sentier de la guerre. Ces légumes sont des armes subversives. Aigle intègre ne veut pas se battre contre les visages pâles. Et pour prouver sa bonne foi, il va demander à Vrai Faucon, notre sorcier, d'exécuter la danse de la paix. Vrai Faucon s'est trompé. Il a exécuté la danse de la douche. Bon, ça suffit cette mascarade, je... Vous l'avez fait exprès. C'est une agression caractérisée. Général, Aigle Intègre ne veut pas la guerre. Et s'il le faut, je galoperai jusqu'à Washington pour le faire savoir. Il galopera, je galoperai. Ça va, ça va, ça va. Allez, allez, on s'en va. Il est d'une humeur noire. Petit homme a de bien sombres pensées. Ce sont des concombres, ça? On dirait des capres. Ah, on peut plus acheter de légumes aux Indiens, alors je me fournis à l'est. Les légumes traversent le désert, ils arrivent tout cuits et tout ratatinés. Et ça, c'est des piments rouges? Non, madame, des carottes, elles sont cuites, elles aussi. On peut dire ce qu'on veut des Indiens, mais au moins, eux, leurs légumes sont frais. Un prétexte! Il me faut un prétexte! Et alors? Je frapperai un grand coup! Oui? Général! Le nouveau drapeau avec la mascotte, comme vous l'avez demandé, général! Oui. Eh, hey, y a de la pâte, le trait est enlevé. Enlevé! La voilà l'idée! Je vais faire enlever en temps plan et accuser les Indiens! Ça, c'est une idée que n'aurait pas renié Alexandre, César ou Napoléon! George Armstrong Custer, tu es un génie! Qu'est-ce que c'est? Pas du bois carotte, mon général! L'heure de la soupe, c'est pas trop tôt. En temps plan, va rejoindre les Indiens. Tu entends? Allez, va! Quelle autorité. En temps plan, tu ne bouges pas, hein? Chez les Indiens? Ah bon? Ça, c'est l'armée. Ordre contre ordre. La mascotte du 13e de cavalerie enlevée par les hommes justes. Le général Custer prépare une attaque surprise en représailles. C'est le général Custer qui m'a demandé de publier cet article. Non, mon frère, nous n'avons pas volé le chien au gros nez. Lui s'être bien installé ici depuis ce matin. J'étais sûr que Custer s'était débrouillé pour que Rentenplan se retrouve chez vous. Tiens, Gary Cooper! Ça fait un moment que je l'avais pas vu. D'après le journal, Custer attaquera par surprise à l'aube. Cela nous laisse la nuit. Une idée aurait-elle germé dans le potager de mon frère? Vous ne laissez personne pour garder le fort, général! Non. J'ai besoin de tous les hommes pour livrer bataille. Et à part les punaises, je ne vois pas qui pourrait avoir envie de s'installer dans un fort aussi inconfortable. Y a personne, mon général. Ici non plus, mon général. Général, le camp est désert, général. Oh, les lavettes, les pieds plats, les gens... Ah, oh, Aigle Intègre est un dégonflé. Qu'on mette le feu aux légumes. Moi, je les préfère à la vapeur. Mon fort. Ils m'ont pris mon fort. Moi aussi, je veux voir le défilé. Créance!
sonnez la charge! Prêt? Prêt, mon frère! Maintenant! Qu'est-ce que c'est? J'ai du chou dans les yeux. Le général est touché! Le général est touché! Ah. Merde! Ils ont eu ton chanchiné! Ravioli! Ravioli? Ravioli, je suis fort belle. Messieurs, nous allons les affamer. On dirait qu'ils ont changé de cuisinier. Nous avons assez de vivres pour tenir un siège. Le problème viendra de l'eau. Que mon frère se rassure, il suffit à vrai faucon d'exécuter sa danse de la pluie pour que toute l'eau dont nous avons besoin tombe du ciel. Oh, pour les affamer, y a pas à dire, on les affame. C'est quoi le plat du jour? Cactus, comme hier. Je me demande si je préfère pas les conserves réglementaires. C'est le monde à l'envers. Les assiégés se gobergent et les assiégeants n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est que nos réserves sont restées à l'intérieur du fort, général. Et tout autour de nous, c'est le désert, général. Ah, capitaine. Alors? Général! Le maire de Nottingham a dit comme ça que ses administrés ne pouvaient pas se transformer en fournisseurs gracieux de l'armée, vu qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes d'approvisionnement! Une fois tous les Indiens boutés hors d'Amérique, je bouterai tous les civils. Messieurs, il faut demander des renforts. Et lavez-moi ces uniformes! L'eau est précieuse et ils la gaspillent pour nettoyer leurs uniformes. Si Custer tient à ce que son régiment soit impeccable, c'est qu'il attend des renforts. J'espère que mon frère a une autre idée en réserve dans son potager. Oui, que tous mes frères se déshabillent. Excusez-moi, général! Nous avons un problème, général! Général! Ce n'est pas tout, général! Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'espèrent tout de même pas que nous allons enfiler leurs oripeaux de sauvages! Si vrai faucon, mon frère, veut bien exécuter la danse du gel... Il doit être en chaleur. Curieux animal. Vrai faucon est une tête de linotte. Il a exécuté la danse du feu. Général, je suggère que nous endossions momentanément les oripeaux de sauvages. Jamais. Si ma mère me voyait. Les Indiens ont mis le siège devant le fort. Jeune homme, préparez-vous à immortaliser cette scène. Le président Grant venu en personne secourir le général Custer. C'est une excellente journée, un peu fraîche pour la saison, mais excellente. Capitaine, sonnez la charge.
Général, des renforts, général! Mais que font-ils? Ils nous chargent! Mon frère aurait pu être général. Je ne suis pas fait pour la vie militaire. Je déteste me lever tôt. Ah bah bravo les renforts! Tout le monde peut faire une erreur, Georges, mais quelle idée aussi de se déguiser en indien! Souriez, monsieur le président! Oh non, c'est pas le moment! J'entends déjà l'opposition. Grant charge ses propres troupes. Eh bien, Georges, on peut dire que tu nous as mis dans de beaux draps! Monsieur le Président, je vous apporte un message d'Aigle Intègre. Il tient en ces quelques mots, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé? Bien sûr, il ne s'est rien passé. Tu as entendu, Georges? Il ne s'est rien passé. Les légumes des hommes justes à nouveau autorisés à la vente. Demandez le Nottingham Club. Si vrai faucon, notre sorcier ne confond pas la danse de la pluie avec celle du gel. Les hommes justes auront une nouvelle récolte au printemps. Aigle Intègre tient à remercier son... Oh. Custer sera nommé à la tête du célèbre 7e de cavalerie, avec lequel il mettra un pied dans l'histoire et l'autre à Little Bighorn. Nous sommes 1 contre 10. Et alors? Ils n'ont que des flèches à opposer à nos fusils. Charge! I'm a bold lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Derrière cette colline, c'est Anger Gulch, une ville tout ce qu'il y a de plus tranquille. On va s'y reposer et débarrasser en temps de ces puces. Moi, je dirais plutôt que ce sont les puces qu'il faut débarrasser de en temps. Saleté de chauve-souris, ça gratte. Ça gratte. Thank you.
Si Grantaire est élu, les gens n'auront que des cailloux à manger. Si Grantaire est élu, il n'y aura même plus de cailloux à manger. Pour une ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille, c'est réussi. J'ai jamais rien compris au baseball. Vous auriez une chambre avec un bain chaud ? Une chambre ? Tu rêves, l'ami. J'ai même plus un seul placard de livres. Le général Custer est à Engelgulch. Il doit faire un discours. J'ai même loué mon comptoir. Allez, debout, mon gars, pour que je fasse ton lit. Mais vous êtes Lucky Luke, la légende vivante de l'Ouest. Le Lucky Luke, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vous cède ma chambre. J'irai dormir dans la grange. C'est un honneur. La grange me suffira, merci. Lucky Luke, tiens, tiens. Général, Lucky Luke est à Engelgulch. Lucky Luke, Lucky Luke. Je n'oublie jamais un nom. Où ai-je entendu parler de lui? Bon, ça manque de confort moderne, mais à mon avis, ça vaut mieux que le lit du patron. Moi, je ne me plains pas, cowboy. Ah, ça gratte, ça gratte. De l'autre côté aussi. Allez, viens, rentre en plan. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. D'accord, je reste là et je garde le cheval. Hein? Cher ami. C'est grâce à des hommes tels que Lucky Buck que l'Ouest s'est construit. Et si Custer est élu président, il s'engage solennellement à ce que l'Ouest reste toujours à l'Ouest. Ouais, vive Custer! Excellent, vous avez été excellent. Lucky Luke est très populaire dans la région. Cette photo nous fera gagner 3 points, au moins. Ah oui, c'est vrai, les puces. Rentre en plan, couché. Tout va bien, général. C'était une fausse alerte. Général ? Ils ont l'air de bien s'amuser ici. Non, pas lui ! Pas lui ! Pas le chien ! Pas le chien ! Porte la poisse ! C'est rien. Juste une légère commotion. Je le reconnais ! C'est mon copain de régiment. Général, reprenez-vous. Vous allez perdre 5 points dans les intentions de vote. Comment un héros tel que vous peut-il avoir peur d'un inoffensif cabot? Custer rêve de ce chien. Toutes les nuits, le même rêve. Il est là. Il regarde Custer. Custer ne peut pas bouger. Et alors les pires calamités s'abattent sur Custer. Ne vous inquiétez pas, général. On va s'occuper de ce chien. Berthe Kirk. Mais non, il n'y a pas de danger, j'ai simplement une mission à vous confier. Pourquoi faut-il qu'on descende ce clébard? J'ai jamais descendu le clébard. Est-ce que particulier dans le contrat? Là! Tu as entendu le vétérinaire, rentre en plan. Il ne faut pas lécher cette huile anti-puce. Lucky Luke, trop risqué. On va d'abord le kidnapper discrètement et puis... Quick! Chouette, les copains de mon copain. Et les copains de mon copain sont mes copains.
On voulait juste le caresser, hein. C'est plus fort que nous, dès qu'on voit un chien, ben, faut qu'on le caresse. Hein, pas vrai, Kirk? Tu l'as dit, Bert. Mm-hmm. On a déjà fini de jouer à chat? Dommage, j'adore jouer à chat. Avec Custer, les riches vont appauvrir les pauvres. Avec Grant, les pauvres vont enrichir les riches. Ça recommence. Limonade. Custer, président. Custer, président. Custer, souvenez-vous, première règle d'un candidat en campagne. Ah oui, Custer offre une tournée générale. Eh bien, patron, vous devriez être content. Les campagnes, ça fait marcher le commerce. Ah, ça, pour inviter à boire, il invite à boire. Mais il ne paye jamais. Tu as mis assez de mort au rat, Bert. De quoi tuer un troupeau de bisons, Kirk? À manger? Le bon miam miam. Bert, Kirk, à ma botte. C'est à la gamelle qu'on reconnaît les amis. Le chien, où allez-vous avec le chien? À l'heure qu'il est, il n'est plus. Parfait, parfait. Nous allons pouvoir sortir serrer les mains. Custer, président. J'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez. Il n'y a qu'en période électorale qu'on me serre la main. Flamant rose ont mangé ma pâtée. Flinguez-moi ce chien! Vous allez vous mettre à dos, les amis des bêtes. C'est pas prudent en période électorale. Je veux qu'on me débarrasse de ce sale kleps avant son discours de ce soir. Vous entendez? Avant ce soir! Ce chien a le mauvais œil! Mais non, général, c'est une idée. Vous m'avez demandé, général. Le journal! Avez-vous vu le journal? Vous êtes très bien sur la photo, général. C'est votre meilleur profil. Il s'agit bien de mon profil. Le titre, vous avez lu le titre? Lucky Luke dans notre ville. Et le sous-titre? Le général Custer est venu lui-même accueillir l'homme qui a arrêté les Dalton et Billy the Kid. Custer va faire fusiller ce journaliste. Je vous ai dit 100 fois qu'on ne pouvait pas fusiller les journalistes, général. Pourquoi ce bouseux de Lucky Pluck est-il plus populaire que Custer? C'est que lui, il arrête les bandits, général. Très bien, Kenneth. Amenez-moi un bandit que je l'arrête. Et des journalistes, arrangez-vous, hein. Mon vieux Jolly, demain matin à la première heure, on quitte la ville. J'en ai une de l'autre côté. N'oublie pas, Cowboy. Et toi, ça te dirait de gagner 1000 dollars? C'est simple, je t'aide à t'évader et tu te laisses arrêter et reconduire en prison par le général Custer. Et qu'est-ce que je ferai de 1000 dollars si je retourne en prison? Lorsque le général sera élu, tu seras amnistié, ça te va? T'as intérêt à voter Custer. C'est la première fois que je me sens une âme civique. Baby Bon s'est échappé. Il vous attend, général. Et le chien? Où en est-on avec le chien? Bert et Kirk maîtrisent la situation, général. Et...
Quelle chance d'avoir trouvé des copains avec qui jouer à cache-cache. J'adore jouer à cache-cache. Et si on faisait le chat, ça l'attirerait sûrement. Miaou! 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 Ah, ça, c'est un... dindon! J'ai toujours été très fort pour reconnaître les animaux à leurs cris. Miaou! Mia! Belle journée, hein, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Miaou? Baby Bon! Ce bandit va encore tout casser! Ne vous inquiétez pas, les amis! Custer s'en occupe! Custer, président! Custer, président! Custer sait quoi faire pour que les honnêtes américains vivent en parfaite sécurité! Il enverra tous les bandits, les outlas, les traînes savates de tout poil dans l'Idaho! C'était un idiot qui ne sert à rien! Il bâtira un mur tout autour et les enfermera! Il y mettra les peaux rouges avec... et par-dessus le marché! Avec Custer, ça ne traînera pas! Custer est un homme de parole! Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Y'a personne qui vient m'arrêter? On vient, on vient. Hein? Lucky Luke! Lucky Luke! Il vient d'arrêter Baby Bo! Il l'aura conduit en prison! Lucky Luke, c'est un homme de parole et un homme d'acte! Dommage qu'il se présente pas à la présidence! Je voterai pour lui, moi! Moi aussi! C'était une très mauvaise idée, Kenneth! Mais enfin, général, c'est vous qui... Une très mauvaise idée, je vous dis! Mon public! Où est mon public? Et tu lui as filé une fessée? Ouais. Vous entendez, les gars? Il a filé une fessée à Billy the Kid. Ouais, Billy! Hé, Ellie Dalton, raconte comment tu les as capturés. Les Dalton? On va y passer la nuit. Bah, on a tout le temps, n'est-ce pas, les gars? Ouais! Vas-y, Luke, ouais, raconte! Ils sont tous au saloon, général. C'est du sabotage! Mais Custer n'est pas du genre à capituler! Puisque c'est comme ça, il va faire son discours pour lui, tout seul! Le chien! Vous lui avez réglé son compte? Non, général, nous l'avons cherché partout! Il doit avoir quitté la ville, sinon nous l'aurions trouvé. Je l'espère pour vous! Ils me trouveront jamais ici. Je suis le roi du cache-cache. Habitant d'un Gergulch, fier pionnier. Le ciel a beau se liguer contre Custer, Custer poursuivra son discours. Habitant d'un Gergulch. Il n'a payé aucune des tournées générales. Je ne veux plus entendre parler de ce bled. Waïa! Je me suis coupé. Si nous n'avions pas laissé entre ce chien et nous plusieurs dizaines de miles, je jurerais qu'il est là. Tout près. Ils me trouveront pas. Ils me trouveront pas. Je n'ai pas vu Rentemplant aujourd'hui. Il s'est peut-être noyé. Dans un coin aussi aride, ça lui ressemblerait. Il n'aurait tout de même pas pris le train. Bon débarras. Vite, Jolly, il faut rattraper le train de Custer. Juste après le petit déjeuner, tu es dur avec moi, cowboy. Aïe, youhou ! Je me suis brûlé avec ce fichu café ! Attendez, général, je vais vous servir. Que se passe-t-il? Un essieu cassé. Le chauffeur dit qu'en 30 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Il est dans le train! Je suis sûr qu'il est dans le train! Fouillez partout! Trouvez-le-moi! Et zigouillez! Hein? Un pont rouge!
Il nargue Custer. Que fait-on, général? Cent fois. On lui a répété 100 fois de ne pas courir après les Indiens, mais c'est plus fort que lui. Tayo, Tayo! Un bon Indien est un Indien mort. Crotte! Je me fais avoir à tous les coups. Il a pas l'air de revenir. Non, pas l'air du tout. Et Perth, il avait raison. On joue plus à cache-cache ? Tout va bien, Rentemplant ? On est assez nombreux pour faire un ballon prisonnier. Ça vous dit ? Que se passe-t-il ici ? Le général a pris un Indien en chasse. Et vous l'avez laissé partir seul ? Il n'y a pas de clause concernant les Indiens dans notre contrat de protection. Télégraphiez pour demander du renfort. Je vais voir ce que je peux faire. Tu as ton télégraphe portable sur toi? Ah, il préfère jouer à chat perché? Custer vous boutera hors des États-Unis. Il vous renverra d'où vous venez, en Inde. Le petit visage pâle est teigneux, mais brave. Patron Minot lui réserve donc le sort des braves. L'épreuve de la flèche. L'épreuve de la flèche? C'est quoi ça? Dès que Patron Minot aura tiré sa flèche, le petit visage pâle se mettra à courir. Les farouches guerriers ne le poursuivront pour le massacrer que lorsque la flèche aura touché le sol. L'épreuve de la flèche? Il y a peut-être un moyen. Custer refuse de courir. Si le petit visage pâle ne court pas, nous lui ferons subir l'épreuve des fourmis rouges. Cinq, quatre, trois, deux... Ça, c'est ce qu'on appelle un tir de couverture. Nana Bozo, le grand lapin, protège le petit visage pâle. Patron Minot ne veut pas se mettre Nana Bozo à dos. On rentre au tipi. Ce n'est pas une bonne journée pour chasser l'homme blanc. Lucky Luke arrive toujours à temps, général. Grâce à qui? Oh, les renforts, enfin! Quand où est-il parti? Était-il accompagné? Comment était-il habillé? Savez-vous ce qu'il a mangé hier soir? Le général était habillé comme d'hab. Mais non, Lucky Luke! Custer boutera les Indiens hors des États-Unis! Là, regardez, il ramène Custer! Une déclaration, Lucky Luke? Non. Custer boutera les Indiens hors des États-Unis! Il les renverra d'où ils viennent! En Inde! Copain? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse! C'est mon flash qui vient d'exploser! Et puis les chiens! Custer jure que s'il est élu, il fera exterminer tous ces sales clébards! Ah! Oh, l'Amérique entrera en croisade contre tous les corneaux, les roquets et autres lulus à leur mimir! Il vient de perdre 30 points dans les sondages. Les chauves-souris, elles sont revenues! Général, général! L'état-major vous propose un commandement! Une bonne guerre contre les Indiens, ça vous fera regagner 30 points, au moins. Le 7e de cavalerie. Où dois-je le retrouver? À Little Big Horn River. Ah, George Armstrong, il semblerait que la chance te sourie à nouveau. De si bons copains, ça se quitte pas. I'm a full lonesome cowboy.
the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Je n'aime pas quand ce cabot crétin nous accompagne. Il porte la poisse. Vite, Jolly Jumper, quelqu'un a des ennuis. Mais où est passé le troupeau de bisons qui m'a piétiné? Eugène, l'horrible bête veut manger Mamour. Ne craignez rien, l'ami, je vous protège. Des bouh ah hey. Allez, pst, 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 attends. Encore un moment, très cher. Je le mate. Il va sentir qui est le maître. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Nous sommes attaqués par un monstre. Mais je m'attais, madame, je m'attais. C'est un simple lézard, madame. Totalement inoffensif. Inoffensif? Ce monstre? Inoffensif. Merci, vous nous avez sauvé la vie, monsieur. Oh. Luc. Luc et Luc. Enchanté! Oh, la magnifique chienne! Je me demande bien à quelle race elle appartient. Bichon à poil dur, levrette d'Italie? En tout cas, j'ai fait de l'effet. C'est ça, Mamour. Va jouer avec le gentil chien. Je me nomme Lola. Lola Montes. Je suis artiste. Et vous? Cowboy. Cowboy, comme c'est original. Ah oui, ça, c'est Eugène. Baron de Prime Sautier, pour vous servir, monsieur. Eh bien, Eugène, qu'attendez-vous? Reprenez le travail. Creusez, mon ami, creusez. Vous n'avez encore rien trouvé aujourd'hui. Vous devez avoir une vie captivante. Vous cherchez de l'or? Oui. Eugène m'a offert cette mine. J'ai toujours rêvé d'être chercheuse d'or. Excusez-moi, madame, mais ça fait belle lurette qu'il n'y a plus d'or dans ces montagnes. Plus d'or, dites-vous? Voilà qui est fâcheux. Nous avons investi nos ultimes ressources dans cette mine. C'est tout vous, ça, Eugène. Vous faire pigeonner par le premier venu. Mais c'est vous, ma biche, qui avez insisté pour que je m'emporte à sa querreur. Vous rendez-vous compte? Si ce que dit cet autochtone est avéré, nous n'avons plus le moindre sou. Eugène, vous m'exaspérez. Vous savez que je ne souffre pas les discussions d'argent. Je la fascine. Elle me dévore des yeux. Allons, Eugène, ne faites pas cette tête. Je chanterai, voilà tout. Il y a bien un théâtre de variété dans la région. Il y a un saloon à Grass Valley, la prochaine ville. Ma biche! Vous n'allez pas vous exhiber dans un saloon! Ne soyez pas rabat-joie, Eugène! J'espère que vous viendrez m'écouter. Oui, oui. Fuyons à bride abattue, cowboy. C'est le seul moyen de sauver ta peau. À moins que ce soit un Welsh terrier. Les Welsh terriers ont de longs poils soyeux. Lola Montes, jamais entendu parler, vous chantez quoi? Mais si, vous connaissez. T'es mon petit colis, mon petit colibri. C'est un grand succès en Europe, vous savez. Et puis, ton roux doudou est tout rap-la-pla. Que j'ai chanté devant l'empereur. À Paris, on s'entretuait pour ses faveurs. Ici, ils ont pas besoin de prétexte pour s'entretuer. Bon, vous commencez ce soir. Et vous aussi, vous êtes artiste? Hélas, non, je ne suis que baron. Demain, après un passage chez le maréchal Ferrand, nous reprendrons notre route. Mais ce soir,
par simple politesse, je dois assister à son tour de chant. Mais tu n'as pas besoin de te justifier. Cowboy. À moins que ce soit un Pékinois. Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat, boum, boum. Un cœur gros comme ça qui bat pour un beau gars. Sur son petit colis, son petit colibri, cui, cui. Il est mon gros coq, l'écho. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Bouton, la débauche, le vice et la licence, hors de crasse, fallait. Bouton, bouton, bouton. C'est son petit canard. Lâchez-moi enfin, vous froissez ma jupe. Baby Bo, attends au moins qu'elle ait fini sa chanson. Monsieur, vous importunez cette dame. Hors de ma vue, courte patte. Je te paye une limonade. Goûtez. On ne t'a jamais appris qu'il faut se découvrir devant les dames, Baby Bo? Bouge pas! J'en ai pas pour longtemps. Je vais te faire plein de petits trous qui vont te conduire direct dans un grand trou, étranger! Mesdemoiselles, nettoyons ce temple d'impudeur! Oui, et il faudra nous passer sur le corps pour nous en empêcher! Alors, étranger, rose débine! T'as raté ton coup, étranger. Il a sectionné mes deux holsters avec une seule balle. Je ne connais qu'un seul type capable de faire ça. Lucky Luke. Lucky Luke. Eugène, la concurrence va être rude. Sur nos corps. Ils sont passés sur nos corps. Un caca! Un cas! Un cas! Un caleçon! C'est donc ça, un caleçon? Franchement, que lui trouvez-vous à ce garçon vaché? Il est grand, il est beau, il est brave, il est... pauvre! Tiens, à ce propos, demain, il est impératif que je trouvasse un gogo à qui revendre la mine. Eugène, je vous parle d'amour et vous me répondez argent. Ma biche, je ne suis ni grand, ni beau, ni brave. Pour vous plaire, je ne puis qu'être riche. Les quatre verres sont à changer, fils. Encore? Mais je les ai changés il y a à peine un mois. Avec le kilométrage que tu me fais faire, cowboy, ce n'est pas étonnant. Repasse tout à l'heure, fils. Dehors les défercondés! Dehors les dépravés! Bouton la débauche, le vice! J'ai toujours aimé voir défiler les majorettes. Navré de vous effrayer, ma biche, mais je vais devoir encore emprunter votre baignoire. Eugène, que vous est-il arrivé? J'ai voulu revendre la mine à des autochtones, or il semblerait que tout le monde sache qu'elle fut épuisée. Ma biche, dites à votre chatte de ne pas me regarder avec ces yeux-là. Avez-vous croisé Lucky Luke? Votre ami Lucky Luke est sur le départ. Allons, il ne partirait pas sans venir me dire au revoir. Vous vous faites des idées à son sujet, ma biche. Ce genre d'homme n'est attiré que par les veuves et les orphelins. Oh, Eugène, vous dites des inepties. Lucky! Beau, baby beau!
que je suis venu m'excuser pour hier soir. Forêt du fendre des Fulipes. Peste ! Cette cochonnerie ne va pas être facile à enlever. Dehors les dévergondés ! Dehors les dépravés ! Aïe, aïe, aïe. Aïe ! Qu'est-ce que j'apprends ? Vous avez l'intention de nous quitter ? Ouvre la débauche, le vice et la licence, hors de grâce vallée ! Ignorez-les, au bout d'un certain temps, on ne les voit même plus. Emmenez-moi avec vous. Enlevez-moi sur votre fougueux destrier. Oh, si nous pouvions vendre cette fichue mine et partir loin d'ici. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Il manquait plus que lui. Je connais quelqu'un que c'est un spécialiste pour vendre des mines. Pokerface qui se nomme. Je peux vous le présenter si vous voulez. Pokerface? Grand, maigre, avec une fine moustache? Inutile. Je le connais déjà. C'est lui qui m'a vendu la mine. Oh, y'a pas meilleur! Même les mines dont personne y voulait, il les vendait! Faut dire qu'il les salait. Il les salait, dites-vous? Boutons la débauche! Boutons le vice! Boutons la licence! Nous pourrions vivre ensemble votre plus belle aventure. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Il faudrait d'abord que j'en parle à mon cheval. Regardez, ma chatte et votre chien jouent déjà ensemble, c'est un signe. Elle m'a dans la peau, c'est sûr. Je finis celui-là et je m'occupe du tien, fils. Ça m'arrangerait, je dois quitter la ville au plus vite. Il n'a pas l'air dans sa gamelle. On dirait que c'est lui que l'on va ferrer. Pardon, père. Ça ira? C'est de l'or? 48 carats. Bouge pas, je te montre. Elle doit jouer, votre Altesse. Saler une mine, c'est ça. J'ai jamais vu une pépite pareille. Mais pour être de l'or, c'est de l'or. De l'or? De l'or? Ouais! De l'or! De l'or! C'est incroyable! Ça marche! À tous les coups, il disait Pokerface. Vous en prie, je vous le dois bien. Oh non, merci. C'est grâce à vous si j'ai pu revendre ma mine. Vous m'obligeriez, ce n'est pas grand-chose. Et précisément... C'est tout que je veux. Tout? Je hais ce pays! J'espère que tu t'y connais en ferrage, cowboy. Un tel amour, ça me renverse. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Vous aussi, master! Pour mes pauvres, mon ami, pour mes pauvres. Au boulot ! Filon, on trouve plus facilement de l'or en ville qu'à la montagne. Mais non, Eugène, vous n'êtes pas un raté. Vous traversez une mauvaise passe, voilà tout. Et c'est le moment que vous choisissez pour me quitter. Pour un garçon vaché, j'aurais bu le calice jusqu'à la lie. Eugène, je vous ai connu plus amusant. Je vais télégraphier à ma mère afin qu'elle m'envoie un peu d'argent et je rentre à Paris. Elle va être ravie. Vous lui ferez mes amitiés. Oh, te voilà, maman. Tu t'es bien amusé avec le gentil chien. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ne pas oublier le plus important.
gêne, faites quelque chose. J'arrive, mamie. Vous l'aurez cherché. Les mains en l'air, crapule. C'est quoi, ça? Un pistolet. C'est bien ce que je pensais. Pas la peine de résister, beauté, on est fait l'un pour l'autre. Ça crève les yeux. Vous allez me donner des idées. Moi aussi. Je veux trouver des os. De l'or, il y a bien de l'or. Regardez. Ah ouais, c'est bien de l'or. On voit même le poinçon. Ça va, j'ai compris. Laissez tomber, les gars, il n'y a pas d'or, il n'y en a jamais eu. Ma caisse. J'ai laissé ma caisse sur le comptoir. Le coffre. Le coffre était ouvert. Le lait sur le feu. Ils ont raison. Il n'y a pas le moindre os ici. Voilà. Ils te vont bien? Ils ont l'air solides. Je devrais faire l'année avec. Bon, il est grand temps de lui dire que je suis un cow-boy solitaire qui ne souhaite qu'une seule chose, le rester. Je t'ai connu plus à ton aise, cow-boy. Lucky Luke! Lucky Luke! Baby Boo, il a enlevé Lola! Vous allez voir quand Lucky Luke vous rattrapera! Il me rattrapera pas! Mon héros. Il me rattrapera pas. Il me rattrapera pas. Il me rattrapera pas. Ma caisse, qu'as-tu fait de ma caisse, coyote? Mais c'était pas moi, c'est Baby Boo. J'exige un jugement dans les règles. Pendons-le. On le jugera après. Ouais. Pendons-le. Pour une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Lucky Luke! Ma caisse! Mon coffre! Il m'a rattrapé. Ça n'est pas tout ça, le haut des bas, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile, le haut des ébats, c'est pas toutes les fois. Car là-haut, il y a un cœur qui bat. Boum. Soufflez n'est pas joué, Jolly. Vous nous quittez déjà, Eugène? Je vous laisse la place et vous souhaite bien du plaisir. Allons, vous avez bien 5 minutes, Eugène. Je vous paye une limonade. Je vous laisse seul savourer votre triomphe. Plus je ne supporte pas les bulles. Eugène, je crois que nous devons avoir, vous et moi, une petite explication. Ah, Lola, Lola, je ne puis plus attendre pour vous déclarer ma flamme. Oh, Lucky, mon amour. Venez, que je vous emporte sur mon fougueux destrier. Mais c'est que j'avais prévu un concert d'adieu. Non, maintenant, partons tout de suite. Bon, bon, comme vous voulez, mais il faut prendre mes bagages. Il n'en est pas question. Je vous veux tel que la nature vous a faite. Nous recommençons une nouvelle vie. Mais où est-elle passée? Ils vont tout casser! Les dévergondés! Dehors les dépravés! Boutons la débauche! Le vice et la licence! Hors de grâce vallée! Vous savez chanter? Je dirige la chorale de grâce vallée. C'est parfait! Allez leur chanter quelque chose! Commencez! Commencez! Ouais! Mesdemoiselles, je crains que nous nous soyons forcés de leur montrer nos mollets. Vous connaissez un bon hôtel dans les environs? Un hôtel, mamie? Vous plaisantez, nous allons dormir à la Belle Étoile. Vous allez partager ma vie et mes aventures. Ici, ce sera parfait pour notre première nuit en amoureux. Respirez l'ouest sauvage, le vrai. Ah, Lola, vous allez partager ma vie de cow-boy qui ne sera jamais plus solitaire.
Les tracts impitoyables dans des déserts brûlants le jour, glacial la nuit. Vous soignerez mes blessures. Vos blessures? Oui, je vous apprendrai à extraire une balle de la chair avec les dents. Et aussi à pencher mes plaies dues aux trop longues chevauchées. Ah lola, comme ce sera romantique. On ne peut pas faire un petit feu? Vous n'y pensez pas, les Indiens. Il y a des Indiens partout dans la région. Des Indiens? Je vais de ce pas vous capturer un lézard. Vous verrez, c'est excellent, cru. Un fou? Je suis tombée sur un fou. Venez, ma biche. Eugène, que faites-vous ici? Chut, pas de bruit. Mamour, je suis si heureuse de te revoir. Mes bagages. Eugène, vous êtes un amour. Je suis fort aise que vous vous en aperceviez enfin, ma biche. Ah ! Ne me regarde pas comme ça, Jolie. Je n'avais pas d'autre solution. Ah, t'es là, toi. Tiens, les Dalton. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Je suis son petit colis. L'histoire raconte que Lola oublia Eugène dans les bras d'un héros de l'Ouest. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Et qu'Eugène de Prime-Sautier finit peintre à Montmartre. Le succès fut foudroyant. Son tableau Lola en verre fut adjugé 3 millions de dollars. Je suis son petit colibri, cuicui, il est mon gros coq l'écho. Il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas gardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luc est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, monsieur Luc. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luc. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Oui, c'est ça, du bétail. Oh, bétail, un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques, croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des quatre énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Oui, pourquoi? Ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Ah, ça! Bien parlé, mon gars!
C'est chouette, Joe. L'administration nous paye des vacances à la ferme. Ah ouais. La ferme. Hey, vous sentez? La bouse de vache? Les dollars! Ah, Lucky Luke, soyez le bienvenu. Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous à carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank, donne-leur des tenues plus adéquates. À vos ordres, patron. Par ici, vous quatre. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Allez, en boulot. Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luke. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Aff. Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Yeah! Yeah! Yippie! Votre fils? Non. Ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça. Bah, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas. J'ai 3 taureaux à marquer. Yeah! Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Vous faites pas de bile, Luke. On les tient à l'œil. Ouais. Faut trouver le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends Lucky Luke et on se tire de cet enfer puant. Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Aïe, les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Avrel. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, Avrel, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Bonsoir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Pas faim! Debout là-dedans, t'en pour rien. En boulot, vous êtes pas là pour vous donner la pilule. Allez, on avale le café d'hier et on va marquer les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Hey, et mon café? Bonjour, papa. J'ai mieux pour toi, beau brun. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia ait jeté son dévolu sur Avrel. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit Avrel. Ah oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tir en flanc. Petit, petit, petit. Ha 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 ha!
pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père plante l'oseille, et c'est Avrel qui va lui faire cracher le morceau. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Aïe! Imbécile! À toi, mon bébel. Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon Vével. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris, car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des petits bons steaks. C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert. Vous n'avez pas vu Avrel? Je le cherche depuis une heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avrel! Avrel! Chut! À la soupe! À la bonne sous-soupe! Ah! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Joe, aïe! Tu vas faire tout ce qu'elle dit? Oui, Joe, aïe! Même l'embrasser, si elle te le demande! Oh non, Joe, aïe! Oui, Joe. Mon Vével! C'est tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors le nabo, on se croit en pique-nique? Qui est un nabo? Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Je vais te faire. Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. Goop. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot. C'est l'heure de dormir, Joe. Parle pas de boulot, Joe. Bande de la bête! Vous êtes encore plus inutile qu'Avrel! Garde! Faut que j'y aille! Utilise le seau, comme d'habitude! Je peux pas, il est déjà plein! Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Oh, il est merveilleux. La 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 la. Joe, j'en peux plus, Joe. Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave. Lâche-moi, imbécile. Elle me brosse les dents. Elle prend ma température. Elle me fait peur. Aïe. Non, je sais pas ce qu'elle veut. Je vais retourner avec vous. Écoute bien ce que je vais te dire, crétin. Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia! Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour! Et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric! Comment ça? Tu m'as appelé, mon Vével! Allez, dis-lui! Je sais pas comment qu'on fait, Joe! Alors répète après moi! Tu as l'air tout chose, mon Vével! C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mon essence. Mais non, imbécile! Grâce! Mais non, imbécile! Grâce!
Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père. Mais pas si vite, Joe. Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante. Il parle à la plante. À la plante. Il parle à la plante. Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, Alors, Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Allez, Joe, va te reposer. Demain, tu as une dure journée. Toi, Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie. Il me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Y'en a marre du pot de colle. Ménère va toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais, c'est moi, Avrel Dalton. Je suis rentré. Oh, diable, Avrel. On se porte très bien sans Dalton. Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, il n'y a pas de justice. C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Vével, Vével, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vével. Mais je veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Mais je suis pas votre Vével. Même plus. Elle veut plus me voir. C'est chouette, hein? Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson de Mago! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici. Avrel, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? Joe, s'il te plaît. C'est chouette, hein? Alors? On s'est trompé. Des frères jumeaux. Sacré Joe, t'es encore mieux que moi. T'es un acteur génial, Joe. Garde, il faut que j'y aille. Tu m'auras pas deux fois, Coyote. Mais c'est pas moi, c'est Avrel. Mais Cynthia, elle veut me voir. Oh, d'accord. Silence, Avrel! Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton! Avrel! Il y a un rotemplant qui m'embête! Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là! William, trouve-nous des chevaux et surveille Avrel, qu'il donne pas l'alarme! Cynthia! Cynthia! C'est toi, Avrel? Oui, c'est moi! Je viens m'excuser! Je t'aime! Yippie! Oh,
Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vevel, loin de tes frères. Surtout du petit Aigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors, Avrel, tu lâches le petit bras sur ce coup-là. Allez, haut les mains, les quatre mains. Largons les amarres, mon Vevel. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Il cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avrel. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul? C'est de la folie. C'est que mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche et je crois qu'elle n'est pas contente. Avrel, sale cloporte puant, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. Mais riche, tout riche. Ouais, n'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je avais bien dit de ne pas avoir d'idée, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avrel, je t'arracherai le cœur. État normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? De vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. La vraie pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées. À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a poor lonesome cowboy.
The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre. Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex. En Amérique, il n'y a pas de domestiques. Nous sommes tous égaux. En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires. Et nous, en Amérique, nous avons des ranches de plusieurs milliers d'hectares. Et nous, nous avons l'Inde. Et nous, nous avons les Indiens. En Angleterre, nous avons le plus grand détective du monde, Sir Sherlock Holmes. Et nous, on a Lucky Luke. Lucky qui? Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Nous, on a Kiki Luke. Il est meilleur que votre Sherlock Holmes. Meilleur que Sherlock Holmes? It's impossible. Prenons les paris. Eh bien, soit, parions. Bien entendu, notre accord doit rester secret. Voilà comment nous allons procéder. Machin pareil. Hey, Joe, plutôt que de reprendre une petite cuillère, pourquoi on n'irait pas demander des outils? Je vais demander au gardien s'il peut pas nous dépanner d'une pioche. Désolé, Joe, y'a personne. J'ai rien vu. Oh. T'es tombé sur une clé. Joe, elle est là. Oh, quel métier. Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir. Luc, télégramme. Ce pénitencier est une vraie passoire. Va falloir y aller, Jolie. Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire shampooiner ailleurs. Oh! Alors, étranger, elle est pas pittoresque, notre coutume locale. Positivement, folklorique. Ne bougez pas, je vais vous sortir de là. Mmh,
Désolé, cette branche a été plus rapide que moi. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes. Détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Faut pas se gêner. Si j'en juge la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cowboy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces trois mots. Soyez assez aimable d'aller me chercher de l'eau pour Bucéphale. Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les basses besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher. Le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détective privé au service de la reine, si loin de son fog anglais? Mettre la main sur quatre dangereux malfaiteurs. Les Dalton, vous connaissez? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eue tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kg 450 grammes. Or, mon poids est de 71 kg. La branche serait de toute manière rompue. Béni soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes. Comment ça va, Luc? Une limonade bien frappée, comme d'habitude? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi? C'est une sorte d'herbe parfumée, finement hachée et infusée dans une eau frémissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose? Les Dalton se sont évadés. Wow, wow. Et les Dalton nous ont attaqués! Il y a à peine une heure, sur la route de Painful Gulch! Voyons, Luke, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps! Cochet, puis-je voir votre calèche? Si c'est de l'intelligence dont vous parlez, elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi le bain chaud et l'avoine. Oh, un régime s'impose, vieux frère. Ouais, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les vers ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Dalton seraient devenus subitement intelligents? Le violon est ma passion. Ah oui, moi c'est l'harmonica. Ça se vaut. Une tasse de thé, Luc? À défaut d'autre chose. Vous avez perdu leur trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards. Peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hé, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez,
Je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Avril ? Belle soirée, non ? Lucky Luke ! Lucky Luke est là, juste à côté ! Quoi ? Lucky Luke ! Pas un geste. Luke, Luke, vous êtes là? Arrêtez. Au nom de Sa Majesté, je vous demande de vous arrêter. Vite, Joe! Au chevaux! Je vous somme d'arrêter immédiatement, if you please. Oh. Rien de cassé? J'ai été assommé. Et le fair play anglais, qu'en faites-vous? Vous avez raison. Vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Où en est notre champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar, veillez! Le visage rubicond de Grant, dégustant sa victoire, nous plongerait dans une humeur massacrante! Holmes, Ansel! Ils ont très peu d'avance. Allons, mon cher Luke. Une simple rogne d'ongle peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Mm-hmm. Positivement captivant. Cet ongle a été rangé il y a 8 minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille ruse de Sioux, il ne risque pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. À l'envers, moi je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique. Ouais, bah, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Lucky Luke. Il a mis deux de mes frangins à l'ombre. Les Dalton sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Alors, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luke est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Oh. Holmes? Un petit instant, Luke. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi je vous attends dehors. C'est très simple, il y a 5 cartes par personne. Lucky Luke sort, suivons-le.
Salut, beauté. On se promène? Alors, alors? Nous avons perdu la trace de Lucky Luke, votre majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse! Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, votre majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté. Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous, vous jouez aux cartes. Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ces fichus mangeurs de pop-corn. Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits. Majesté, vous allez être satisfaite? Je les ai trouvés. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Il se fronce sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ansel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Oh. Papa m'avait parlé de cette planque il y a longtemps. Attention, ça mouille! Ça mouille! Oh là, ça mouille! Vous auriez pu prévenir que ça mouillait! Ils sont partis par là. Selon les préceptes du commandant Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous, vous suivez les préceptes du commandant Holmes. Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, madame la reine. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté? Il faut plier le genou, Avril, tout en saluant dignement. Plus ample le mouvement de la grâce de la lune. Je me suis mélangé les jambes, majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai ça, Joe? Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe, c'est moi, Lucky Luke. Je sais que vous êtes là. Avril! Ben quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire. On a des otages. Holmes est la reine de je sais plus quoi. Si tu fais un pas de plus, je les descends. Je te propose un marché, Joe. Moi contre la reine. Mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont. C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luc, vous récupérez la reine, d'accord? Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, Monsieur Luc. Dis, Joe,
T'as pas peur qu'il... plonge? Où il sort? Mais où il sort? Là! Au secours! Au secours! Au secours! Faut le sortir de là! Bah vas-y toi! Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée! Joe, Joe, écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça, regarde, tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis... fort longtemps. En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Dalton, cette permission? Cette permission? Ah oui, recevoir l'ordre du président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites entrer! Mon cher Luc, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup. I'm a bold lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Cher ami, que puis-je pour vous? Un dépôt et un retrait. Ça, c'est le dépôt. Pour le retrait, il me faudrait $50. $50, voici. Moins les frais d'agence, $8.50, plus 20% de taxes de serrurerie, plus l'assurance annuelle calculée au prorata temporis. Voyons, voyons, voyons. Il vous reste $10, que voici. Rapace, c'est du vol! Mais non, voyons, c'est du commerce. C'est ça! Rends-moi mes pipites! Cela fera $30.50 de frais de dépôt. Lâche ta patte! Mange pingrou! Je vais aller déposer mon argent à Pinole Gulch! Le client est roi. Mais Pinole Gulch est loin et les routes sont mal fréquentées, Oldtimer. C'est ce patelin qui est mal fréquenté, Black Nail!
Aimez-le. Touche pas à ta pétoire, vieil homme. Un sac plein d'or ne vaut pas un corps plein de plomb. Shérif, les quatre bandits qui m'ont volé mon or, ils sont en train de le dépenser au saloon. Tu as un témoin qui pourrait les reconnaître, Oldtimer? Moi? Je les ai reconnus? Tu n'es pas un témoin, Oldtimer. Tu es un plaignant. C'est pas suffisant, une erreur judiciaire est si vite arrivée. C'est toi l'erreur judiciaire, Slicorn! Outrage à officier de police dans l'exercice de ses fonctions. $200 d'amende et 3 nuits au trou. On n'a plus un 7, mais on s'est bien marré, hein, les gars. La journée a été bonne. Excellente, patron. Après la fermeture, tu peux m'appeler mon chou, Stella. Blackney, tu es un pégrelousi, le nassois fayeur. Un page nocturne, c'est $100 et 2 nuits au trou supplémentaires, Oldtimer. Les bandouillards, les stock-offish, les... On te l'avait dit, Oldtimer, on a tout essayé. Black Nail tient toute la région et il nous tient. On est forcé de passer par lui. On a même fabriqué un chariot de fer, indestructible pour convoyer notre or. Mais personne ne veut le conduire car il faut affronter Mo et sa bande. Je connais quelqu'un qui pourrait le conduire. L'Albuquerque de 8h32 est presque à l'heure. Il s'arrête. Far West, me voilà. La prochaine fois, cowboy, tu me prends une couchette. J'ai la croupe en miettes. Des passagers? Il y a même des passagers? Il faut que je demande une augmentation. Hello, Oldtimer. Ça fait un bon bout de temps. Faut venir. Stop, F de P de banquier. Stop, E de sa R de shérif. Stop, NTM les bandits. Stop, ton ami Oldtimer. Tu as des ennuis, est-ce que je lis? Le télégraphiste n'a pas voulu taper tous les mots. Peu de censure, oui. La banque de Pinol Gulch est à 30 km d'ici. Et entre elle et nous, il y a ce poisseribouille de mots. Le vilain bandit local. Et ce... de shérif est à la botte de Black Nail. Hein? Alors j'ai pensé à toi. Depuis le temps qu'il me connaît, il devrait savoir que je n'aime pas faire le cheval de trait. Excepté en esprit. Y'a que mes pépites. Les autres prospecteurs attendent de voir si l'on passe. C'est parti. Eh oh, on se calme, hein? J'obéis au doigt et à l'œil, moi, pas au fouet. Hé, hey, Mo, v'là du monde! Allez, au boulot, les gars! Aïe! Ouille! T'aurais pu prendre un arbre! Et je le trouve où, l'arbre en plein désert? Oh. Tiens, ça ne serait pas les bandits, là-bas? Oh.
C'est pour un retrait. Désolé, mais nous sommes clients d'une autre banque. Alors, c'est un hold-up. Oh, mais c'est qu'il prend de sale manie. Et tirez, abruti, tirez! Arrêtez de tirer, abruti! Arrêtez! Ils sont passés! On est passé! On est passé, je suis passé! Ils sont passés! Avec Lucky Luke, on peut passer quand on veut et les autres peuvent repasser! À quand le prochain convoi? Oldtimer, voici mes pépites! Oldboy, j'ai bien peur que tu n'aies à tirer ce fourgon quelque temps encore. Je suis le cheval qui tire plus vite que son ombre. Quand on me cherche, on me trouve. Et si on me résiste, je pulvérise, j'atomise, je disperse. J'explose, je confétise, je parcellise. Je volatilise, j'émiette, je plein de petits morceauxise. Oh! J'ai vu, Cowboy. Ce n'est pas la peine de me déboîter la mâchoire. Tiens, c'est curieux. Si j'en crois la tradition... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Je peux me retourner? On peut me répondre? Ce fourgon est vraiment indestructible! Bon, on réattelle Jolly Jumper et on continue. Dis donc, Jolly, tu t'es étrillé avec un pétard ce matin? Oh, c'est fin, ça, Cowboy. Les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles! Comment ça, c'est tout? Moi et sa bande ne viennent plus au saloon dépenser leur volée, vu qu'ils n'arrivent plus à le voler. Les prospecteurs ne placent plus leur or dans mes coffres. Les bandits ne viennent plus dans mon saloon. C'est la faillite. Ce fourgon et ce cow-boy sont une malédiction. Il est justement au saloon, le cow-boy. Shérif! Quoi? Shérif? Où ça? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le shérif. $10 la limonade. Ça devrait s'appeler au joyeux coup de fusil chez vous. Et ce n'est pas ce qui va te coûter le plus cher, cowboy. Tiens, Slickhorn, comment on se retrouve? Hein? Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Attention, j'ai déjà rechargé. Une autre limonade, je vous prie. J'ai à peine eu le temps de savourer celle-ci. Alors? Il y a une boulette, Blacknell, et elle est belle. Oh, épargne-moi les rimes. Et toi, pose cette lime. Le cow-boy que vous m'avez demandé de coffrer, c'est Lucky Luke. Lucky Luke? Ouais, et le rascal tire plus vite que mon ombre. Lucky Luke n'était pas prévu dans nos accords. Shérif, vous me coffrez ce type? Ou bien finis vos tarifs préférentiels sur les boissons du saloon? Je préfère le coup de fusil au saloon que le sicou de Lucky Luke. Et toi, je t'ai déjà dit d'arrêter de limer, ça me crispe. Mais c'est plus possible, moi, on n'a rien volé depuis une semaine. Ils nous ôtent les peines de la bouche. Ouais, c'est Lucky Luke. Il nous casse tous nos outils de travail. Et mon beau-frère qui travaille dans une usine à Seattle, il dit comme ça que quand on casse leur outil de travail, qu'on leur ôte le pain de la bouche, ils se mettent en grève. En
en grève? C'est quoi ça? Ben, d'après ce qu'il m'a dit, à la place de bosser, on défile dans la rue avec des pancartes. Et ça marche? Ben ouais, il arrête pas de répéter que son syndicat est riche et puissant. C'est quoi un syndicat? Ben, c'est une bande comme nous, sauf que, à la place d'aller bosser, il défile dans la rue. Très bien, les gars, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus une bande, on est un syndicat. Demain, un nouveau transfert, Luc. Allons-nous coucher? Ouais, ces allées et venues commencent à devenir routiniers. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? Chaque fois que je ferme les yeux, je rêve de fourgons blindés et de Luc et Luc. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne non, passera pas. Non, au blindage. Oui, au plombage. Luc et Luc, démission. Le fourgon ne qu'est-ce passera que vous faites, pas. Mo? On a créé un syndicat, le Desperados Union. Ouais, et on défend notre pouvoir le de vol contre le fourgon et pas. Ce fils Luc et Luc. Ça nous concerne aussi. Leur pouvoir de vol, c'est notre pouvoir de vente. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Allons bon, voilà que c'est contagieux. Ils n'ont pas tort. Moi, depuis que le fourgon passe, je n'ai plus de clients. Et ce Lucky Luke est un véritable fléau. Il ne tue même pas ses adversaires, il se contente de les désarmer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Libérez le pognon! Non, non, au fourgon, au plus, oser au goudron! Libérez le pognon! On passe! Allons, Oldtimer, je peux tout de même pas les écraser, et c'est le seul chemin. Le fourgon! Ils ont stoppé le fourgon! Que je raconte, moi. On ne passe plus, alors? Eh oui, j'allais faire lisse à force. On va la leur briser, leur grève, et puis leur zoo, par la même occasion. Allons, Oldtimer, ça ne résoudra rien. Et puisque c'est comme ça, on va faire grève, nous aussi. De mon cheval maintenant. Désolé, mais j'ai manifestation à 15h. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de s'asseoir autour d'une table et de négocier, Blackmail? Qui sème le vent récolte la tempête, cow-boy. Monsieur Blackmail a une importante communication à vous faire. Chers amis, je propose une négociation générale entre les différents partis pour sortir de l'impasse dans laquelle notre charmante ville se fourvoie. Un moment, nous devons en référer à la base. C'est quoi la base? Eh ben, dans un syndicat, c'est ce qui commande. Ah, bon ben, la base accepte. Et les prospecteurs, pareil. Et le petit commerce aussi. Ceci est une négociation. Chacune des parties va donc exposer ses revendications. Blacknell est qu'une sale arsouillagape. Et votre fourgon a un piège à con. Briseur de grève. Éboutez la petite industrie. Briseur de grève. Éboutez la petite industrie.
Loi 23. Une taxe sur les transferts sera prélevée, également répartie entre les différents acteurs économiques de la ville. Point 24. Une baisse effective du prix de la limonade sera appliquée. Alors c'est d'accord pour tout le monde ? C'est inadmissible. C'est un scandale. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Alors je déclare l'accord accepté. On a mérité une bonne journée de sommeil. Un moment. Et le paiement des jours de grève, qui le prend en charge ? Ils veulent du fourgon. Eh bien, ils vont en avoir du fourgon. Je vais le faire passer à travers le saloon et sans taxe. Oh, c'est pas bon. Catastrophe, il va droit sur le train d'Albuquerque le 8h32. Rien à craindre, il est jamais à l'heure. C'est celui d'hier. Ah ! Et cette locomotive ? Un petit coup de main, fiston ! Avant de faire dans l'or, je faisais dans le charbon. Laisse faire l'ancien ! C'est bon, Oldtimer. Machine arrière toute. L'Albuquerque de 8h32 ne s'arrête pas. Un dépôt, Blacknell. Un mandat de dépôt jusqu'au pénitencier d'Albuquerque. Oh, pas mon jour. Ça n'était pas mon jour. L'accord est signé. Le fourgon blindé connut un succès foudroyant. Les compagnies de transfert de fonds se multiplièrent. La taxe municipale sur les transferts remplaça dans tous les États les braquages sauvages. $10.50, patron. Je me demande si on s'est pas fait un peu avoir. Quant à l'argent de Blacknell, il servit à l'édification d'une maison de retraite pour vieux prospecteurs. Alors, Beaubrun, tu restes pas ? Pour toi, la limonade sera toujours gratuite ici. Luc ? Eh bien, old boy, pas mécontent de quitter cette histoire de fou. Et si je lui parlais, là, de mes heures supplémentaires ? I'm a poor lonesome cowboy.
The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau but goose, es Caballero. The Emperor of the Far West, when he dégaine his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Devinez qui s'est évadé. Je pense qu'il s'est oublié de reboucher le trou après notre dernière évasion. C'est notre 107e évasion. 109. En comptant notre libération par erreur. C'est moi la mémoire de la famille, et si je dis 109, c'est... À cheval, on vient. Déjà Lucky Luke, on est à peine chaud. Ça vient de par là. Je sais, imbécile. Si Luc nous capture, ce sera la 107e fois. La ferme! Je suis poursuivi par des bandits. Ils en veulent à la vie du petit. J'entraîne les assassins à ma poursuite. Prenez-en soin. Je suis Joe Dalton. Justement, tout le monde vous craint. Nul ne saurait le protéger mieux que vous. Je suis très méchant. Hey, je peux lui faire du mal. Confier un nourrisson à Joe Dalton, y a des gens qui doutent de rien. Un bébé, un vrai bébé. On peut le garder, Joe? Pas question, je t'ai au vautour. C'est pas vrai, mais achetez-le. On dirait qu'il t'a à la bonne, Joe. Gucci, Gucci. Hey. C'est qui? Aïe. Il est parti par là. Regarde, Joe. Il t'aime. T'as de la chance que j'ai les mains pleines. Oh, c'est insupportable. Saleté. Dire qu'il y a des gens qui font des bébés exprès. Déjà 107 fois. Non, 109. Personne en veut. C'est lui qui veut pas de nous. Il t'a choisi. Il faut l'apprivoiser, comme avec les souris. Eh ben, vas-y. J'ai pas de fromage. Ok, la blague a assez duré. Ma le disait toujours, un enfant, c'est un boulet. On a déjà eu assez de mal à se débarrasser des nôtres. Allez, en route. Et alors, vous venez? Mais Joe, c'est mal. Justement, faire le mal, ça fait du bien. C'est pas bien, Joe. Lucky Luke, ça serait bien, mais un bébé, c'est pas bien. On peut pas le laisser comme ça, Joe. Pense au soleil, aux coyotes. Et sa seule maman, Joe. Mais dès qu'on trouve une église, on le laisse sur le pas de la porte. Une église ou une ferme? Où est le bébé? Jamais tu ne le trouveras. Tu peux me torturer, je ne parlerai pas. C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qu'on verra? Il peut pas être loin, on va le chercher. Toi, je te laisse à la fin, à la soif et aux coyotes. Ça t'apprendra. Ça lui apprendra quoi? Ça lui déliera la langue si on l'a pas trouvé d'ici ce soir. Thank you.
Nous sommes des fermiers et nous vivons heureux. La récolte est bonne, tout va bien. Pauvre Coli. Si seulement le Seigneur nous accordait un enfant. Dans les choux. Comme ça, ça aura l'air naturel. Qu'on pense qu'on a été petits comme ça, nous aussi. Maintenant, à la banque. Il y a le cochon qui s'énerve. Sois pas triste, Joe. On n'a plus le lardon, mais on a les jambons. Je suis pas triste. Ils ont fait une rencontre ici, avant de repartir par là. Oh, les Dalton, ça va, ça vient. Conny, regarde ce que le ciel nous envoie. Un petit gore dans un chou. Tu vois, c'est bien comme ça que ça marche en fait, hein. On s'est trompé toutes ces années. Gouzi, gouzi. T'as pas faim, Joe? Non, je préfère écumer à jeun. Au fait, pourquoi y a des gens qui en veulent à ce bébé? Sûrement une histoire d'argent. Ça, il doit valoir cher le trésor. Bien sûr qu'ils vont cher, des millions sûrement. On va le rechercher. C'est curieux, ils ne se sont pas directement dirigés vers une banque, comme d'habitude. Mon bébé. J'ose mentir. Ils ont oublié le biberon. On fait pas d'omelette sans piquer une poule. Elle a dû le confier à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à 3 mois, tu te barres pas tout seul dans le désert. Pourquoi? Bon, il faut trouver le type qui nous cherche. Les Dalton ont kidnappé votre bébé? Ils ont demandé une rançon? Non! Même pas! Un bébé de quel âge? Oh, comme ça! Ne pleurez pas, madame. Je vous le ramènerai. Nous sommes morts! Ce que le ciel donne, les Dalton reprennent. Étrange. Voilà qu'ils donnent dans le rapt d'enfants maintenant. Besoin d'un héritier à qui transmettre leurs valeurs, peut-être? Drôle d'endormi. Je crois qu'il faut changer. Les changer contre quoi? Le changer de vêtements, imbécile. Allez, donne le sac. Tu sais changer les vêtements des bébés, Joe? Non, mais William sait, lui. Y'a que toi qui peux le toucher. Retournez-vous. On a sa dignité. Kidnappe. On l'a trouvé dans un chou. Les Dalton, hein? Ils sont sûrement au courant de l'héritage. Il va falloir jouer serré. Le ciel nous punit d'avoir menti à Monsieur Luc. Il nous a envoyé 2 cavaliers de l'Apocalypse. Il faut dire la vérité à Monsieur Luc. Oh, pourquoi il continue de pleurer? Tati veut que tu recommences. Il a peut-être faim aussi. Tu veux pas pondre un bon coco pour le petit coco? Où est la nourriture? Pourquoi tout est vide? Crétin! Par ta faute, on doit faire des courses! Mais la nuit tombe! La poule! Y'a qu'à la traire! Où sont les pies? Y'a
des faillots? Peut-être qu'il aime les faillots? Ça mange pas de faillots à cet âge-là, ça mange du lait. Ouais, bah il va manger des faillots comme tout le monde. Quel peut être l'intérêt des Dalton à voler l'enfant d'un couple de fermiers? Ça sent les faillots. Les Dalton? Attends-moi là, je vais voir qui c'est. Une drôle de cuillère si vous voulez partager mon repas. Non, je croyais. Il paraît que les Dalton rôdent dans le coin. Il paraît. Ils vous doivent de l'argent? Oui, enfin non, je veux dire, vaut mieux être sur ses gardes. Hein. Vous avez raison, prudence est mère de sûreté. Lucky Luke. Oh, le Lucky Luke des Dalton. John Smith, Smith. Bon, ça je vous laisse. Si vous craignez les Dalton, autant rester avec moi. Non, mais bon, j'ai du chemin. Et puis, on doit tous y passer un jour, alors. Les Dalton ou autre chose. Hein. Voilà un type qui n'est pas franc du collier. Chez nous, on disait pas droit du licou. C'était Lucky Luke. Il poursuit les Dalton. S'il les trouve avant nous, c'est fichu. Retarde-le discrètement, qu'il se doute de rien. Moi, je cherche les Dalton et le môme. Qu'à cause de toi, je peux même pas les piller. On pourrait l'emmener pour son éducation. Oh, il est trop dangereux. Si ce bébé vaut de l'or, il faut pas l'abîmer. Bon, je vous attends ici. Allez faire les courses. C'est la bonne heure si vous voulez pas rater l'accueil. Oui, Joe. Et n'oubliez rien. Non, Joe. Du talc, de la crème pour la petite fesse, du bidule à l'oreille. Des langes, des épingles, des... Oh, les jolies couleurs. Et moi? Et ils n'ont même pas touché la banque, même pas tenté. Ils ont un bébé. Les Dalton se reproduisent. Non, non, rassurez-vous, c'est un kidnapping. Oh ! Mais sans demande de rançon. Oh ! Peut-être veulent-ils former un futur desperado ? C'est une hypothèse qui fait frémir. Ah ! Les Dalton ! Non, les Dalton sont cinq. Lui, il est tout seul. Viens m'attraper si t'es un homme, Lucky Luke ! On voudrait m'attirer dans un piège que ça ne m'étonnerait pas. Ça marche bien. Que veux-tu, vieux frère? Je suis d'un naturel curieux. Et si les Dalton reviennent? J'ai plus de crème pour les petites fesses. Ils seront furieux. Pas de panique. Peut-être passeront-ils juste à la banque. Je cherche Lucky Luke. Il vient de partir. Vous lui voulez quoi? Je suis pas le père du bébé. Nous non plus. C'est le type qui cherche le bébé. On va enfin pouvoir s'en débarrasser et se faire du fric sur ses petites fesses talquées. Allez, pleure. Faudrait peut-être salir sa couche. Fais pas la vraie, Jack. Allez, pleure. Laissez-moi faire. Regarde. Ouin ouin, fromage. Pas ouin ouin, pas fromage. On pourra lui donner une fessée? On va pas l'abîmer, j'ai dit. Allez, pleurez-vous. J'ai dit pleurez. Oh, on dirait des pleurs de bébé. C'est bon, vous pouvez arrêter. Ça a marché. J'ai dit c'est bon. Je vais te faire du mal, Lucky Luke. Bel endroit pour un piège. Monsieur Luke. Merci pour l'escalier. Je dirai rien.
D'ailleurs, je suis sourd et muet. Ok, les Dalton. Dites votre prix. 100 000 Ça fait cher du kilo. 50. Mais il a une layette tricotée main. Regardez les petits chaussons. 75. Ok, marché conclu. Il va pas lui faire du mal, hein, Joe? On s'en fiche, on est les Dalton, on est méchants! On va pas s'attacher à un niard tout de même! C'était notre premier enfant! D'accord, 100 000. J'ai changé d'avis, je vends plus. Allez, dégage maintenant. Dégage, j'ai dit. J'ai rendu 75 000 $. Oui, mais t'as raison. Au prix du kilo, vaut mieux attendre qu'il soit plus grand. J'ai senti comme une impression de moule. Il faut trouver un docteur. Monsieur Luke. Les Dalton reviennent! Oh. Où habite le médecin? Hein? Le médecin? À la sortie de la ville. Mais dites, vous ne voulez pas attaquer ma banque? C'est une très bonne banque, vous savez! Si vous ne l'attaquez pas, les gens n'auront plus confiance! Mexicaine, tendance sieste, ou bien les Dalton sont repassés par là? Les Dalton sont en ville. Glissez votre prisonnier sous la porte. Hein? Oh, c'est un beau bébé que vous avez là. Dans les pattes! Écoute, chaque fois que je regarde ce niard, j'ai la poitrine molle, et puis un truc bizarre dans le ventre. C'est grave? Non, je dirais... une bouffée de tendresse. Oh, Joe, t'es tendre. Je suis Joe Dalton. Je suis pas tendre. Mais qui le vient ici? Il est malade? Allez, les Dalton, fin du babysitting. Tu peux tirer si on est blessé. Oh, le docteur. Il ne sera pas tiré avec l'enfant. On vous apprendra à respecter la tradition. Non! Espèce d'abrut! Vous n'aurez pas la peau de JR, assassin! Fort d'enfant! Monstre d'insensibilité! Allez, les frangins, rendez-vous! Bon alors, pourquoi vous intéressez-vous à ce fils de ferme? On dira rien, nous aussi on est sourds et muets! Mais pourquoi il pleure comme ça? Parce que t'es vilain! Tu vois, Junior, le monsieur, il est méchant! Il s'appelle Lucky Luke! Papa Lucky Luke, hein, Junior? Vilain! Gentil! Ça alors? Joe Dalton faisant la nounou? J'aurais tout vu. Je suis pas une nounou, je suis Joe Dalton! Donne! C'est vraiment pour qu'il arrête de nous casser les oreilles! Demain, on ira rendre ce bébé à ses parents. La dynamite sauta et le coffre s'ouvrit, dévoilant les lingots promis par la fée Winchester. C'est alors que le méchant Lucky Luke fit irruption. Monsieur Luke, c'est gentil de m'apporter un cheval. Je pense qu'un jour, on lui racontera des histoires de Dalton pour lui faire peur et qu'il rigolera. Et alors, c'est un précurseur. Les truands seront les héros des nouvelles générations. Je l'adresse pour la chasse. Ah, la chasse au ver de terre. Ouais, y a quelqu'un? On vous ramène votre bébé.
C'est pas mon bébé. Ah bon? Il est à qui alors ce bébé? À moi. Il est à moi. Monsieur Luke! Je suis pas le père de l'enfant. Bon, je sais, c'est qui alors? Monsieur Dalton! Merci, merci! Vous m'avez retrouvé, Junior! Et comment elle s'est libérée, elle? J'ai passé 24 heures sans manger, j'ai maigri de 24 kilos. Ça a desserré les liens. C'est donc vous, la mère de l'enfant? Oui, oui, bien sûr! N'est-ce pas, Junior, mon chéri? Ne la laissez pas, c'est elle qui a tout combiné. Elle nous a engagés pour enlever l'enfant et a essayé de nous doubler. C'est faux! Junior, c'est le bébé à sa maman! Il n'a pas l'air de cet avis. C'est le fils de Marmaduke III, le roi du cornet de bif. Marmaduke est prêt à payer $1 million pour le revoir. Ugly Bob peut vous le dire. Qu'est-ce que je peux dire? J'allais pas partager $1 million avec ces deux imbéciles. Attention! Aïe! Ma poule de chasse! Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va pouvoir restituer cette charmante machine à brailler à son propriétaire légitime. Il faudrait réanimer sa nanny. Joe! Joe! Joe, t'es mort! Si t'es mort, dis-le nous, Joe! Junior, il pleure! Faut le changer! Il l'aime-t-il, ce bébé? Non, et non, je l'aime pas! C'est Joe Dalton et j'aime personne! Le petit Junior Marmaduke n'oublia jamais Joe Dalton. Et Joe Dalton n'oublia jamais non plus Junior Marmaduke. À qui tu penses, Joe? À personne! Je pense à personne! Et le premier qui me parle de Junior, je le pulvérise! I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas gardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luke est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, monsieur Luke. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luke. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. Mm-hmm, c'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Ah oui, c'est ça, du bétail. Oh, bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars.
15 heures par jour au cul des vaches, ça leur pensera l'envie d'attaquer les banques, croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des quatre énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Oui, pourquoi ? Ah, ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Ah ça ! Bien parlé, mon gars ! C'est chouette, Joe ! L'administration nous paye des vacances à la ferme. Ah ouais ? La ferme ! Hey, vous sentez ? La bouse de vache ? Les dollars ! Ah, Lucky Luke, soyez le bienvenu. Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous à carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank, donne-leur des tenues plus adéquates. À vos ordres, patron. Par ici, vous quatre. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Allez, en boulot. Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luke. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop. Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Votre fils? Non, ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça. Ben, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas. J'ai 3 taureaux à marquer. Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Faites pas de billes, Luc. On les tient à l'œil. Ouais. Faut trouver le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends les Luc et on se tire de cet enfer puant. Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Avrel. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, Avrel, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Soir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Pas faim. Et on va marquer les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Hey, et mon café? Bonjour, papa. J'ai mieux pour toi, beau brun. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé.
J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avril. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit Avril. Oh oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tirs au flanc. Petit, petit, petit. Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. On va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père planque l'oseille. Et c'est Avril qui va lui faire cacher le morceau. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Imbécile! À toi, mon bébelle. Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon Vével. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris, car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des petits bonnes steaks. C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert. Vous n'avez pas vu Avril? Je le cherche depuis une heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avril! Avril! Chut! À la soupe! À la bonne sous-soupe! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Joe, aïe! Tu vas faire tout ce qu'elle dit? Oui, Joe, aïe! Mais l'embrasser! Si elle te demande! Oh non, Joe, aïe! Mon Vével! Tu es tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors, le nabo, on se croit en pique-nique? Qui est un nabo? Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. Gop. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot. C'est l'heure de dormir, Joe. Parle pas de boulot, Joe. Bande de la bête! Vous êtes encore plus inutile qu'Avril! Garde! Garde! Faut que j'y aille! Utilise le seau, comme d'habitude! Je peux pas, il est déjà plein! Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Oh, il est merveilleux. La 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 la. Joe, j'en peux plus, Joe. Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave. Lâche-moi, imbécile. Elle me brosse les dents, elle prend ma température, elle me fait peur. Aïe, je sais pas ce qu'elle me veut. Je vais retourner avec vous. Écoute bien ce que je vais te dire, crétin. Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia!
Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour. Et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric. Comment ça? Tu m'as appelé, mon rebelle. Allez, dis-lui. Je sais pas comment qu'on fait, Joe. Alors répète après moi. Tu as l'air tout chose, mon Vevel. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mon essence. Mais non, imbécile, grâce. Mais non, imbécile, grâce. Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père? Mais pas si vite, Joe! Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante! Il parle à la plante! À la plante! Il parle à la plante! Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, hein? Alors, Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Lucky Luke! Allez, Joe, va te reposer. Demain, tu as une dure journée. Toi, Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie. Il me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Y en a marre du pot de colle. M'énerve va toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais, c'est moi, Avrel Dalton. Je suis rentré. Oh, diable, Avrel. On se porte très bien sans Dalton. Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, il n'y a pas de justice. C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Vevel, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vevel. Mais je veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Mais je suis pas votre Vevel. Elle m'aime plus. Elle veut plus me voir. C'est chouette, hein? Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson le magot! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Vaut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici! Avrel, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? Joe, s'il te plaît. C'est chouette, hein? Alors? On s'est trompé. Des frères jumeaux. Sacré Joe, t'es encore mieux que moi. T'es un acteur génial, Joe. Garde, il faut que j'y aille. Tu m'auras pas deux fois, Coyote. Mais c'est pas moi, c'est Avrel. Mais Cynthia, elle veut me voir. Oh, d'accord. Silence, Avrel!
Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton. Avril, il y a un temple qui m'embête. Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là. William, trouve-nous des chevaux et surveille Avril, qu'il donne pas l'alarme. Cynthia! Cynthia! C'est toi, Avril? Oui, c'est moi. Je viens m'excuser. Je t'aime. Yippie! Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vevel, loin de tes frères. Surtout du petit aigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors, Avril, tu la joues petit bras sur ce coup-là. Allez, haut les mains, les quatre mains. Largons les amarres, mon Vevel. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Une dure, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avril. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul? C'est de la folie. C'est que mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche et je crois qu'elle n'est pas contente. Avril, sale cloporte puant, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. On est riche, tout riche. Ouais, n'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je avais bien dit de ne pas avoir d'idée, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avril, je t'arracherai le cœur. C'est anormal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? De vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. La vraie pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées.
À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton ? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a full lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Les Dalton demandent une fois de plus leur transfert, monsieur le sous-secrétaire d'État. Eh bien, envoyez le nouveau formulaire type de refus. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État, le formulaire 8047G. Non, excusez-moi, c'est le 1483D. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, monsieur le sous-secrétaire d'État, mais le service a quelques difficultés avec la nouvelle numérotation des formulaires que vous avez génialement initiée. Entrez, Jones, entrez. Jones, je viens de recevoir la réponse de l'administration centrale concernant ma demande de transfert des Dalton. Nous prenons acte du décès de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Appliquez la procédure 87, alinéa B. Ils m'ont l'air bien vivants pour des morts, monsieur le directeur. Je sais, Jones. Mais devons-nous croire nos yeux ou un formulaire dûment estampillé et signé par le sous-secrétaire d'État? Oh, vous savez, mes yeux, ils sont plus très bons, monsieur le directeur. Bien, procédez à la libération immédiate de la cellule. Et que fait-on des... corps? Ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fini mon caillou! Un caillou que je cassais avec amour depuis 3 semaines! Mon caillou! Crétin! Oh! Ouvrez! J'exige des explications! Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes mort et la place des morts, c'est pas dans un pénitencier. Comment ça, on est mort? Ah, ben ça, je me suis rendu compte de rien. On est toujours les derniers prévenus. Il est arrivé quelque chose à quelqu'un? D'abord, je sorcifle et quand je... N'insistez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes mort. Imaginez pas ça comme ça. Joe, c'est vrai qu'on est mort? Ah, j'en sais rien. Mais on est libre! Je préférerais être libre vivant que mort, Joe. Mais qui est mort? Meurtre des Dalton, la fin des pires bandits que l'Ouest ait connu.
décès des Dalton a été confirmé par le sous-secrétaire en personne. La cause du décès, au moment où nous mettons sous presse, n'a pas encore été communiquée. La rumeur parle d'une crise d'appendicite aiguë. Il s'est fait avoir. Il n'y a pas de sandwich dans le journal. Tu vas t'ennuyer maintenant, cowboy. Tu ne trouves pas ça curieux, Jolly, que les quatre Dalton meurent d'une crise d'appendicite au même moment? Je suis mort de faim! Et toi, un vrai? T'as qu'à sucer ton caillou, imbécile! Une diligence? Ça tombe bien, on a besoin d'armes! De chevaux! De pognon! De manger! Les Dalton! Mais enfin, c'est impossible! Le journal dit qu'ils sont morts! Je préférais quand j'étais vivant. Les gens nous filaient leur pognon avant de filer comme des voleurs. On est mort. On est mort. On est mort. T'as pas de quoi rire? Puisque tout le monde nous croit morts, Lucky Luke ne peut pas nous arrêter. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le gardien chef? La place des morts n'est pas dans un pénitencier. Non, c'est dans un cimetière. Ferme-la, Avrel. On va donc rester mort un certain temps, mais pas des morts inactifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les fantômes de Dalton ont attaqué la bande de Lickers! Me voilà rassuré. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas. Hé, hey, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Allez, Jolly, à la chasse aux quatre ectoplasmes. Il ne faut pas confondre ectoplasme, spectre et fantôme. Vous êtes Lucky Luke? Irina Blablaski, présidente de la Société des Amis de l'Au-delà et médium. Enchanté, madame. Gertrude m'a dit que vous aviez l'intention de chasser les fantômes des Dalton. Qui est Gertrude? C'est l'esprit d'une valkyrie qui s'est emparée de ma jambe gauche. Quand ma jambe se met à danser, c'est que Gertrude a quelque chose à me dire. Vos armes ne serviront à rien pour chasser les fantômes. Ce qu'il faut, c'est un cornitouillon qui paralyse les fantômes. Vous agitez le cornitouillon, les fantômes sont paralysés et moi je peux alors les prendre en photo. Ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils restent sans bouger 9 minutes au moins, sinon ils seront flous. Or, il faut que la photo soit bien nette si je veux convaincre ce monde incrédule que les fantômes existent bel et bien. Hé, attendez! Au pénitencier qui nous rende nos boulets, ça ferait encore plus fantôme. C'est toi le boulet, Avril. Ils ont pas l'air d'avoir la trouille, Joe. Hé, les gars, vous êtes dingues? On avait dit qu'on ne sortait ces costumes que la nuit. Personne n'a jamais traité Joe Dalton de dingue. Si, une fois, je me souviens. La ferme, Avril. Les Dalton fantômes. Yippie! Ne croyez pas aux fantômes qui attaquent des banques, vous avez tort. Les morts font souvent ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Excusez-moi, Miss Blablaski, mais j'ai l'intention d'attraper les Dalton tout seul, morts ou vifs. Vous aurez besoin de moi. C'est Gertrude qui me l'a dit. Ah! Va chercher une corde, Pete. Emmett, trouve un arbre. Oh, allons bon, c'est empêcheur de pendre un rond de Lucky Luke. Que se passe-t-il ici? Ben, on marchait tranquillement les bêtes quand cet indien a surgi. Je ne suis pas indien, mais hindou. Il a insulté nos ancêtres. Il les a traités de vaches. Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait pas faire de mal aux vaches, car elles sont les réincarnations de leurs ancêtres. Il a arraché le brandon des mains de Bob et il lui a brûlé la fesse avec.
ce n'est pas moi. C'est Vishnu par ma main qui... Maître! Oh, maître! Enfin, je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour. Je veux bien jouer à la babale, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri des Shambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke, tu veux toujours pas qu'on le pende? On fait encore plus peur mort que vivant. Les gens nous tirent même pas dessus. Ouais, mais cet imbécile d'un vrai a failli tout gâcher. Bah les fantômes, ça traverse les murs normalement. Gertrude me dit que c'est hindou, émet des ondes magnétiques négatives. Yaya, mais aussi Ravana. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touffe pas mon homme flinguin. Gertrude ferait mieux de vous dire que vous êtes couché sur une fourmilière. Vous, je sens que vous ne croyez pas au magnétisme. Ah si, moi j'y crois. Comment expliquer sinon que nous attirons tous les détraqués de la planète? Gertrude me dit que les fantômes ne sont pas ici. Ils seront là. Paradise City possède, outre un nom charmant, la seule banque de la région qu'ils n'ont pas encore dévalisée. Maître, maître, je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres. Je rends pas mon âge. C'est très mauvais pour votre karma de vous mettre en colère. Vous en faites un peu trop, Barati. Et vous alors, avec votre valkyrie dans la jambe? Taisez-vous! Cessons cette concurrence idiote et partageons en deux le million de dollars! Que proposez-vous? Empêchez Lucky Luke d'arrêter les Dalton et moi je les prends en photo. 500 000 pour les amis de l'au-delà. Et 500 000 pour les adeptes de Vishnu. Attendez, comment vais-je l'empêcher d'arrêter les Dalton? Vous avez bien un truc hindou? Je sais! Je vais l'endormir à distance. C'est lassant de faire les fantômes. Je préférais qu'on était vivants. Les gens nous parlaient au moins, même s'ils claquaient des dents. C'est vrai, Joe. On n'a plus de vie sociale. Bon, d'accord. On va s'amuser un peu en ville avant d'attaquer la banque. Ça mange quoi, des fantômes? Yami Jaja, Jaja Yami, Ami aussi Havana. Ah, j'étais mort de soif. Vous avez compris? Mort de soif? J'ai fait un jeu de mots. Si c'est pour s'amuser comme ça, autant qu'on attaque la banque tout de suite. Lucky Luke! Oh, oh. Y a quelqu'un? Où est-ce passé? Oh, oh, y a personne dans ce saloon. Hey, Joe, on dirait qu'il nous voit pas. Ah, t'es un coyote pourri, le kid. Il nous entend pas non plus, Joe. Appuie-toi en faisant des... un lombric brûlant. Je vais te buter, le kid, je vais te buter. Je vais te buter, t'entends? Hé, hey, tu m'écoutes? Pourquoi il nous voit pas? C'est vrai, ça, Joe. C'est comme si on n'existait pas. On est peut-être vraiment devenus des fantômes, Joe. Oh, y a qu'une seule façon de le savoir. Vous voyez bien, ça réussit pas à tous les coups. Sous des dehors d'aventuriers désabusés se cache une âme d'enfant espiègle. Ça n'a pas marché. Ça n'était pas la bonne posture.
Recule ! Ici. J'en ai marre de me faire désarmer. À force, ça fait des bleus. C'est moi qui vais t'en faire des bleus. Laissez-le-moi ! Laissez-le-moi ! Bon, Aseri, vous savez quoi faire. Tu peux rien contre nous, Luc. On est mort. Même qu'on a été renvoyé du pénitencier. C'est-à-dire si on est mort. Je vous trouve bien bavard pour des défunts. Au secours ! À moi ! À l'aide ! Soyez sage, je reviens. À l'aide ! Ils ont bougé. Aïe, fouille. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Mais aïe. Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous avez laissé les habitants de cette ville à la merci des pires fantômes que l'Ouest ait connus. Les Dalton ne sont pas des fantômes. C'est vous qui le dites. Je les ai vus de mes propres yeux disparaître dans un nuage de fumée, comme je vous vois. Ce sont des fantômes. Que pouvons-nous faire? Attendez, je vais demander à Gertrude. Gertrude dit qu'il faut se passer un piment rouge sur le derrière et tourner à cloche-pied autour de la ville dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à voler. Une ville fantôme. C'est une planque idéale pour des fantômes, non? J'ai entendu parler de cette ville fantôme, Joe. On dit qu'elle est hantée. Si elle l'était pas, maintenant elle l'est, hein. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à manger. Mes félicitations pour vos trucs hindous, ils sont vraiment efficaces. Vous pouvez parler? Vous n'avez même pas été fichu de prendre une photo. Tiens, où est passé Lucky Luke? Pourquoi tenez-vous tant à prendre les Dalton en photo? Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Avant de mourir, le colonel G.G. Spencer Davis, président d'honneur des Amis de l'au-delà... Et membre bienfaiteur des adeptes de Vishnu... ...a légué toute sa fortune... $1 million... ...à celui ou à celle qui réussira à prendre un fantôme en photo. Eh bien, il va vous falloir photographier d'autres fantômes que les Dalton, car je vous le répète, les Dalton sont bien vivants. Voilà qui explique pourquoi le cornitouillon n'a pas fonctionné. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Pour une fois que nous avions des fantômes, en chair et en os. Hé, hey, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su. Vous vous rendez compte? 5 ans que nous sillonnons les États-Unis à la recherche de fantômes. Bon, un orage se prépare. Allons nous réfugier à Noway Gulch. Ça vous plaira, c'est une ville fantôme. Un fantôme? Gertrude me dit qu'il y a un fantôme à Noway Gulch. Tu disais qu'il n'y avait rien à voler ici? Mais Joe, j'ai rien fait! C'est pas moi, Joe. Si ce n'est moi, c'est donc qui? C'est Roger. C'est un esprit frappeur. Il est gentil. Moi aussi, je me sens l'esprit frappeur. Mais moi, je suis pas gentil. On est bien d'accord. Vous vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger. Sinon, il sera flou. Et s'il veut pas rester immobile? Vous avez déjà essayé d'immobiliser un fantôme, vous? On arrive à temps pour le feu d'artifice. C'est Avril qui me chatouille. C'est pas moi, c'est Roger. Ah, mais
missile feu! Debout les morts, vous savez quoi faire. On va attendre que la pluie cesse. Ouh! 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 Mais pourquoi? Pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est normal, Joe, quand on y réfléchit. Il a 6 balles et on n'est que 4. Oh, la belle blanche! J'adore les feux d'artifice. C'est vous qui le faites fuir, espèce d'hindou à la manque! On peut très bien être hindou sans être né en Inde. J'ai suivi des cours par correspondance. Mais j'ai rien fait! Roger, c'est pas bien! Excuse-toi! À qui parlez-vous, mon garçon? À Roger, je le vois là! Il est à côté de vous et il me tire la langue! Monsieur Luc, ce garçon est médium. Il faut absolument le détacher. Hé, hey, moi aussi je suis médium. Là, je vois un Robert. Moi aussi je vois un Robert. Moi des Robert, j'en vois tout le temps. Vous en avez de la chance. Allô Roger, la dame et le monsieur, ils veulent seulement que tu te mettes un drap dessus juste le temps de te photographier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il veut qu'on s'en aille. On lui fait peur. Oh! Non, c'était une farce. En fait, il veut 80% du pognon que vous ferez avec cette photo. 50. 75. Adjugé. Debout les morts. Le temps se lève. Nous allons nous mettre en route. Tu perds ton temps, Lucky Luke. Aucun pénitencier ne voudra de nous. Nous n'allons pas au pénitencier. En temps plan. Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Ah, te voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. D'accord, d'accord. Ils sont vivants, mais qu'ils s'en aillent. Bon, eh bien, vous allez me le consigner par écrit, avec cachet du ministère. Il y a du dysfonctionnement dans le système de classement. Vous allez me réviser la numérotation des formulaires. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État. Alors? Il faut la refaire. Où est Roger? Roger! 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 Hé, Joe! Tu ne devineras jamais qui vient nous rendre visite. I'm a poor lonesome cowboy.